qui a déjà annulé un gros truc pour un concert, voilà. Un concert, genre un truc, voilà, vous annuleriez votre mariage pour un concert de qui, vous? Franchement, toi, Isabelle, toi... Moi, c'était un concert qui m'a demandé en mariage, donc j'ai même pas eu à annuler quoi que ce soit. Vous avez déjà raconté un concert de Genesis en merdant au possible. Genesis. Et il m'a demandé, ça hurlait tellement, Genesis. Il me demande ce crétin pendant le concert si je veux l'épouser. Je lui dis oui, et j'avais à peine compris. Non. Le pauvre, sans rigoler, vous avez vu, non mais attends... Ouais, je l'ai épousé quand même, j'ai tenu mes engagements. Quoi, c'était pendant le concert, il vous a fait quoi? Il vous a dit quoi, comment? Il m'a dit, est-ce que tu veux m'épouser? Et je n'entendais rien, je comprenais rien. Il est fumigène. Je pensais qu'il partout. Lui avait proposé une bière. Et donc je lui ai dit oui. Oui, oui, il y avait des. Mais les canettes volaient. Je me disais, quand est-ce que ça va finir, cette merde? Géraldine. Moi, j'aimerais pas du tout une demande un peu officielle comme ça, genre spectaculaire à la télé ou un truc un peu genre happening ou un truc comme ça ou devant un concert et tout ça. Je trouve que c'est un truc intime et je déteste les mises en scène, genre les... Voilà, ça me plairait pas, ça mettrait très mal à l'aise. Elle me vise là, non, Cyril? Non, 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 pas spécialement. Enfin... Non, je pensais par exemple à la demande de Raymond Domenech à Estelle Denis. Ouais. Oh là là. Bah, ouais. Par exemple, ouais. Ce genre de truc, elle moi, ça m'aurait mis très mal à l'aise. Elle a dit non, bah, elle a dit non. Ouais, elle a dit non. Ah, d'ailleurs, ils ne sont jamais mariés, je crois. Ouais, c'est ça. Non, non, jamais. Jamais, exactement. Ils sont même plus ensemble, d'ailleurs. C'est fou, ils sont même plus ensemble. Elle n'est pas sortie du bus. Pense en rire. Et vous avez déjà demandé en mariage? Moi, j'ai déjà été mariée. C'était quoi la demande? On m'en souvient plus. Ah bah très bien. Non, je ne me rappelle pas. Non. Jean-Michel, c'était incroyable. Non, la deuxième, la fille a accepté. La première fois, ça s'est plus mal passé parce que je faisais mon service militaire, je revenais en permission et j'ai demandé à ma fiancée d'époque, je lui ai acheté une bague de fiançailles que j'avais dans la poche. Et que je la vois sur le quai de la gare, je lui dis, j'ai un truc, je ne pouvais pas attendre, j'ai un truc très important à annoncer. Elle me dit, moi aussi. Et évidemment, le jeu, bah, toi d'abord, non, toi d'abord, etc. Elle finit par parler en premier. Et c'est pour me dire qu'elle sortait avec mon meilleur pote et qu'elle me quittait. Et moi, j'avais la main sur la boîte avec la bague dans la poche. Donc j'ai lâché la boîte et votre meilleur j'ai fondu pote en larmes. C'était Raymond. Non, c'était un pote à qui je lui avais dit, occupe-toi bien de ma chérie pendant que je suis pas là, mais ils se sont bien occupés. Mais ça, c'est le truc à ne jamais dire. Et t'as pas menti. Ça, je vous dis. Tu lui as filé la bague, du coup, c'est à ton pote ou pas? Non, j'ai gardé la bague. C'est le truc à ne jamais dire. Attends, et les mecs qui reprennent les bagues de fiançailles aussi. Il y en a qui redemandent la bague. Par exemple, on se marie pas et ça se fait pas. Dans le guide de savoir-vivre, la fille doit proposer à son ex-fiancé de lui rendre la bague et lui doit refuser en disant, on gage le souvenir de notre amour, on garde la bague. Sauf si c'est une bague familiale, tu la reprends. Mais vous y croyez pas, vous, à l'ami à qui on dit, occupe-toi bien de ma compagne? Non, t'es malade ou quoi? Genre, par exemple, Raymond, vous lui faites confiance? Non. Pas du tout. Non. C'est pas vrai. C'est fiable. Non. Et Raymond, est-ce que toi, t'as une fiancée, dis la vérité. Ouais. T'as une fiancée, est-ce que tu me dis, à moi, tu pars pendant 6 mois au service militaire, tu me dis, est-ce que tu me demandes de bien m'en occuper à moi? Ça dépend de la fiancée. Non, moi, sans problème. Sans problème. Ouais. Ça me fait plaisir. Je te jure que c'est vrai. Franchement, bah, bravo. Je m'en fous total. Raymond, il me connaît. Je sais très bien. Vous avez un code d'honneur. Vous êtes très droit. Non, Raymond, j'ai confiance. Par contre, ouais. Jean-Michel, non. Bien sûr, Jean-Michel, non. Quoi? Non, vous savez très bien à quoi je pense, donc je vais dire oui, évidemment, bien sûr. Voilà. Vous avez raison, chef. Non, je vous le dis. J'ai pas confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je vous dis, il me semble que je devais confier ma fiancée aussi, tu vois. Enfin, elle s'était confiée à vous plutôt. Ouais. Et vous en étiez bien occupé aussi. Histoire, faut arrêter. Il faut arrêter, mais c'est vous qui me lancez en même temps. Allez, moi, je vous lance pas du tout. J'ai dit que j'ai pas confiance en vous. J'acquiesce. Mais merci. Vous avez confiance en vous? Ah oui. Vous avez déjà demandé en mariage, vous? Non, jamais, bizarrement. C'est vrai, bah. Oui, mais ça me fait pas du tout rêver. Je comprends pas le concept. Ouais, ça. Bah, vous, on pourrait faire un truc génial. Genre, c'est le chirurgien esthétique qui sort. Bah. Ça. Non, mais c'est vrai. Il cache la bague dans une prothèse. Ah, c'est génial. Ouais. Franchement, c'est hyper beau. Peut-être qu'elle se mariera avec un chirurgien esthétique. Il gagne très bien leur vie, non? Ouais, c'est vrai. Ah, voilà. Cyril, vous êtes. Vous voulez absolument vous marier avec quelqu'un de riche? Ouais, c'est une bonne question. Ah, non, pas du tout. C'est moi, j'ai envie d'être riche. Ah, très bien, c'est bien, c'est une bonne réponse. C'est bon. C'est bien. J'ai pas envie d'être la femme de quelqu'un de riche, j'ai envie d'être riche tout court. D'être l'homme riche. Ah oui. D'être quoi? L'homme riche. À la femme riche. Alors là, difficile qu'on vous prenne pour un homme. Non, mais souvent, les dames, elles disent, ouais, trouve-toi un homme riche. Ouais. Moi, je dis, c'est moi, j'ai envie d'être l'homme riche. Est-ce que tu pourrais pécho un pauvre?
Bah oui, mon mec est pauvre. Mais on dit beaucoup de mal des femmes qui épousent un homme riche. Moi, ça m'a jamais choqué. On dit vénal, c'est toujours péjoratif. Mais en fait, j'avais lu un papier de psychologie pour dire, en fait, la femme, elle pense pas qu'à elle. Elle pense aussi à ses futurs enfants. Et en épousant quelqu'un qui a les moyens, tu te dis, mes enfants iront dans des bonnes écoles, auront des voilà, et auront une belle vie, etc. Donc c'est pas seulement égoïste. C'est aussi parce qu'elle voit quelque chose de familial. Moi, je j'accuse pas les femmes. Oui, c'est romantique en fait. Bah, en tout cas, c'est, je comprends. Alors, Gilles Verdez, vous, bien sûr. Jamais je ne confierai à qui que ce soit ma fiancée. Il faut garder. Non, mais ça, c'est de la folie, quoi. Surtout pas à Jean-Michel, mais il faut. Quand on est là, il faut faire acte de présence en permanence. Moi, quand je ne suis pas là, j'envoie 10 SMS, j'appelle. Alors, hier encore, elle m'a dit, mais tu me saoules avec tes SMS, arrête de m'appeler, tout ça. Mais c'est pas grave, elle répond pas, je la saoule, mais je fais acte de présence. Ça s'appelle le harcèlement, hein. Mais non, ça s'appelle de l'amour, Jules. Je connais rien à l'amour. Allez. La majorité des médicaments sont efficaces même après leur date de péremption. Si c'est vrai, c'est un scandale absolu. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'on jette des millions, des milliards de médicaments. Moi, je ne prends pas, moi, par exemple. Moi, je ne prends jamais de médicaments. Vous... Oui. Parce que, d'accord, après la date, comme moi, vous avez peur que le médicament perde sa substance active, voire soit toxique. Bah oui. Mais là, on nous dit que 30 ans après, finalement, il y a encore 100% de la substance active qui est efficace et que ce n'est pas toxique du tout. Ça veut dire qu'il y a un gâchis sans doute organisé par les laboratoires pour qu'on foute à la poubelle des milliards de médicaments et qu'eux en fabriquent d'autres. Là, l'enquête est très parlante, mais il faut vraiment maintenant qu'il y ait des vérifications scientifiques. Il faut surtout arrêter de mettre des dates. Si le médicament il est valable 30 ans après, si tu as acheté un Doliprane et il reste 30 ans dans ton placard... mange-le, ça y est. Par contre, si vous avez un suppôt qui est resté 30 ans dans vos fesses, là, les gars, attention. Là, je suis pas sûr que ça marche encore. Hein. Par exemple, je mange beaucoup de trucs périmés, les yaourts périmés. Ah, tout ça, c'est ma phobie. Il y a marqué 13 juin sur le yaourt. On est là, 2 septembre, j'ouvre le yaourt. Ah, je le mange. Non, j'ai une copine à moi. J'ai une copine à moi, que vous connaissez. Valérie Benaïm, elle prend des hommes périmés. Je l'embrasse. Elle reviendra lundi, bien entendu, sous vos applaudissements. Un jour, j'avais donné comme Raymond un yaourt périmé depuis au moins 3 semaines, 1 mois, voire 1 mois et demi à mon enfant, à ma fille. Et du coup, ma fille avait vu l'étiquette, elle avait appelé sa mère tout de suite, on était séparés en disant « Papa m'a fait manger quelque chose qui m'empoisonne. » Voilà. Et du coup, mon ex m'avait obligé à appeler l'Institut Pasteur pour savoir. Et en fait, il m'avait super rassuré en me disant « Si le yaourt est bon, bien sûr, il n'y a aucun risque. » Et la nature est bien faite qu'à partir du moment où il est périmé et que vous risquez quelque chose, le goût va être détérioré et va être mauvais. Donc tant qu'il est bon, vous pouvez le manger. Il faut faire attention au yaourt grec. C'est plus ça qu'il faut faire gaffe. Fermenté. C'est fermenté. Tout ce qui est fermenté, il ne faut pas le faire. Un yaourt au citron, tout simple, tu l'ouvres, tu le manges, même s'il y a 2 mois. Je suis spécialiste en yaourt, moi, ça y est. Je suis parti. En gruyère. Ah ouais, il n'y a pas de gâchis, moi. Gruyère et yaourt. Quoi, le yaourt grec, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, le yaourt grec. Ah ouais, tout ce qui est fermenté, c'est bon, mais il ne faut pas jouer avec les dates. Tout ce qui est truc fermenté, il ne faut pas jouer avec les dates. Il a raison, c'est le goût qui indique. Non, c'est moi. Moi, mon mari, il a chopé des salmonelles comme ça. Parce qu'il bouffe tellement vite qu'il ne s'était pas rendu compte, et ben passe. C'est l'amour. Votre mari, en tout cas, vous le mettez en valeur. Vous le mettez vraiment en valeur dans cette émission. Parce que je voudrais le garder et qu'il m'aide pas. Ouais. Je vais vous montrer le nouveau jeu qui déchaîne tout le monde en ce moment. Arrête. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un test en ligne et vous allez me dire. Regardez, allez-y, hein, mettez-le si vous pouvez vous réveiller. Voilà, Michel. Est-ce que vous voyez du vert ou du bleu? Alors, des deux. Les deux, oui. Du vert au début, du bleu à la fin. Vous voyez du vert ou du bleu? Du rouge. Du rouge. Du vert. Du bleu, du vert ou du bleu? Du vert. Vert à bleu, bleu. Moi, la vérité, moi, je vois du vert. Vert, moi. Ouais. Ouais. Au fond, tu vois du bleu, oui, à droite. Ouais, mais bleu. Quand tu regardes, non, mais en fait, faut regarder direct. Quand tu vois direct comme ça, globalement, tu vois... du vert. Globalement, ouais. Vert. Mais non, bleu. Bleu. Ah. Alors, le test consiste à regarder plusieurs panneaux de couleurs à la suite et dire si on le voit bleu ou vert. Les nuances deviennent de plus en plus proches et au fur et à mesure. En fonction de vos résultats, le test vous place sur un spectre de couleurs pour vous indiquer comment vous percevez le vert ou le bleu par rapport aux autres personnes ayant fait le test. Voilà. Et à quoi ça sert? Il y avait eu ça pour la robe il y a quelques années, vous vous souvenez? On n'en a rien à faire. Si, parce que c'est le miracle des couleurs et de la vie. Est-ce que c'est vert ou bleu? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça veut dire quoi sur ta personnalité? Oui, voilà. Bah, tout, plus ou moins, noir ou blanc, vert ou rouge, etc. Les couleurs, c'est essentiel. Bah, tu vois, par exemple, toi, là, c'est bleu. Oui, bah, ma vie, c'est bleu, exactement, c'est bleu. C'est ce que je vous dis. Moi, ma vie, c'est bleu. Les yeux bleus, tout bleu. Donc, c'est nul. Voilà. C'est nul. Bah, non, c'est pas nul. C'est un couple qui s'engueulait autour de ça, donc ils se sont dit, on va le mettre au public pour que tout le monde sache. Moi, je trouve que c'est passionnant. Et même les médecins sont divisés là-dessus. Oui. Quoi?
Et les médecins sont divisés là-dessus, ils sont pas d'accord sur l'histoire du bleu et du vert. Et de toute façon, bah là, on voit, comme a dit Raymond, on voit du vert et après on voit du bleu, tout simplement. Oui, mais quand on le regarde plusieurs fois comme ça, après, visiblement, c'est pas neurologique, c'est au niveau de la, au niveau des yeux, on voit la même chose. Mais non, mais ils étaient bourrés, les médecins. Mais ça prouve rien, surtout. Toi, t'as un œil rouge, tu vois rien, toi, en plus. Bien sûr, c'est vrai, t'as un œil rouge, toi. Le pauvre. Non, il va mieux, Gilles. T'as vu, je me suis bien occupé de lui. Énormément. C'est moi qui l'ai soigné. Mais c'est dingue. Il avait mis des gouttes. Non, deux suppos. Comment je me suis occupé de toi, mon bébé? Bien sûr, c'est ça, toujours. Ouais. Toujours, je m'occuperai toujours, toi, toujours de toi. Vous me rappellerez quand et où, mais... Je m'occuperai toujours de toi, Gilles. C'est grâce à moi. Non, je plaisante. C'est grâce à moi que tu vas mieux. Bien sûr. C'est comme ça que tu le prends? Évidemment. Non, mais oh. Non, je vous remercie beaucoup. Bah ça va, merci. Un homme de 38 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau le 9 septembre. La raison, il a été reconnu coupable d'avoir conduit alcoolisé et outragé un policier dans l'après-midi du samedi 7 septembre. Ce jour-là, l'employé municipal a été contrôlé avec un taux d'alcool à plus de 1,2 g par litre dans le sang. Il avait bu environ 12 litres de bière. Et il a dit, je ne pensais pas être positif. 12 litres. Oui, 12 litres de bière, environ, du vendredi vers 16h à samedi, où je me suis couché vers 8h. Je ne pensais pas être positif. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne me sentais pas sous. Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est totalement délirant. Voilà. Incroyable. Donc, il s'est fait intercepter 1,2 g d'alcool par litre de sang. Effectivement, il se sentait très bien, il ne se sentait pas sous. Et il avait déjà conduit en ayant pris des stupéfiants. Voilà. Donc, c'est un récidiviste dangereux. Là, ça se termine très bien. Et il est dangereux. Lui, par exemple, il faudrait qu'il soit interdit de conduire. Ah, voilà. C'est compliqué. Alors, on va se de boire. C'est 24 pintes. Ouais, 24 points. Ouais, il est allé. Ouais. Il est allé fort. On va se retrouver.